Alors, 64 attends, ça là. Ça ne dirait pas de dire bonjour à ton tube tant que t'y es quoi. Bah bonjour ton tube. Oh, super. Ah, bienvenue. Attention, on va faire du vroom vroom. Ouais, alors on est toujours sur la même game, enfin sur ma game du coup. Alors on a juste rebasculé côté Michigan parce que moi je croyais que c'était juste une map tuto et en fait Kaby m'a pris que non. Faux. C'est pas une map tuto. Ah ça y est, j'ai la musique. Moi j'ai pas de musique. Tristesse. Ouais, parce que n'oublie pas que dans ce jeu là, la musique c'est un peu quand ça leur prend. Il est vrai. Audio, un jeu. C'est vrai que c'est un salaud pauvre avec 10 000 dollars, donc on va faire avec trois camions. Bon, vous connaissez la chanson, YouTube, je suis en train de me faire un café. Calmez-vous. Voilà. C'est quoi ça? Fleet Star. Calmez-vous. On est où? Ah, j'ai aucun capteur. Qu'est-ce que c'est que ça? Where are we? Ah ouais, parce qu'il faut que j'importe mes capteurs, c'est ça? Donc si je choisis là. Ah non, il faut que je me paye des capteurs. Oh, j'ai remonté les capteurs de base. Ouais, non, je vais aller me chercher. Alors j'ai pas grand chose, je crois. J'ai lui, mais il est à toi. J'ai ce camion là avec des amortisseurs pétés. Et j'ai celui-là qui est en ruine. Bon, allons chercher le Chevrolet, hein, parce que visiblement. Quoi? Mais non, mais je. Envoie-moi sur mon Chevrolet. Voilà, merci. Je sais pas pourquoi il voulait pas m'envoyer en Chevrolet. Alors, j'ai plus aucun. Je sais plus comment ça marche le jeu. Hein. Ok, hein. Rien de perso. Ah oui, je l'avais débloqué là, d'accord, ok. Du coup, j'aimerais bien venir ici. Mettre un point. Choisir un marqueur. Right. Gauche. Non. Ah, bah voilà, ajouter une destination. Merci beaucoup. Ah oui, alors. Super. Toi, t'es là. Ah, je suis au tout début de la partie du coup. Tu vas me toucher. Ah, bah là, moi, ici, j'ai fait que le tuto. Hein. Rien fait d'autre. Hein. Ça, je sais pas comment je vais faire. Ça, c'est la ville où t'es là-bas, là, où t'es monté, tout ça. Ok, d'accord. Du coup, quelle mission? Bah, bonne question. Il faut faire moi, je crois que j'ai un camion à ramasser devant chez toi, là où tu démarres, parce que mon camion est une ruine, je crois. Bah attends, en fait je suis couillon, normalement j'ai juste à me mettre dessus et le TP quoi. Ouais. Ça c'est le White Western. Fleet Star. Fleet Star c'est un petit camion ouais. Moteur cassé. Ouais ouais. Ah ce véhicule là, on a un peu trop vu. Récupérer. Il récupère tout dans ton garage et repart avec une... Ouais c'est ça, avec une... des mecs tout neufs. Avec ce qui va bien quoi. Tant qu'à faire, je vois que t'as plein de petits trucs et t'as pas été chercher. Mais moi, mec, un million de trucs, du coup, j'ai rien fait sur cette carte en fait. Ah bah, j'ai fait le tuto quoi, c'est tout. Je me suis barré après comme un gros lâche. Du coup, je vais me prendre. Il y a une remarque de rep. Ouais, ça serait bien aussi de ramasser toutes les remarques parce que sinon, on se retrouve à les raquer. Yes, bien sûr. Et quand tu vois que les remarques te coûtent les prix des camions, des fois, tu fais ah. Ah, on va peut-être les ramasser. Hein. C'est ce que j'ai fait sur Alaska, je les ai toutes ramassées. Hein. Comme un gros sourd. Voilà. Et on va le récupérer. Voilà, voilà. Non, c'est pas ce que je veux. Tuc, tuc, tuc. J'ai un camion ici normalement. Quoi? Comment ça? J'ai raté un truc. Le CAN 39 Marshall, c'est à toi ça, non? Le 39 ouais. Marshall, ouais, c'est le mien. Le Marshall, c'est à toi. Pourquoi? Touché, hein, c'est ma Jeep. Hein. Non, y'a pas de soucis, y'a pas de soucis. C'est juste que je suis en train de péter un plomb au calme en me disant: attends, ils sont passés où mes camions, mec? J'ai ramassé deux camions, tu vas me dire j'ai pas de camion. Enfin, j'ai un camion en garage. C'est quoi cette. Faut aller dans entrepôt de camions. Entrepôt de camions, là, tu vas voir tous tes camtars. Entrepôt de camion. Entrepôt de camion. Le Chevrolet. Ah ok, le Fleet Star, ok. Ok. Ouais, c'est, faut se mettre dedans, c'est un peu compliqué. Wow, hop, ouais, faut s'y remettre. Hein. Faut s'y remettre. Il est pas naturel sur le... Non, non. Donc carte globale. Carte globale. Niveau motorisation, j'ai accès à rien. Si. Ah non, j'ai accès à rien.
je regarde s'il y a des amigos vite fait. Je peux sortir sur ce bousing. Amuse-toi comme un foufou. Ouais, on peut changer le design des pneus, aller... mais je suis pas sûr que ça me change mon grip. Je vais aller chercher une petite tour de gueule. Si. Là, je suis en excellent sur route, je suis moyen hors piste et en bouche, je suis mauvais. Je crois qu'il y a pas mal de boue hein, dans l'histoire. Oui, il y a que ça. C'est ça. Que ça. Ouais, c'est juste une question de design de roue, quoi. Du hors piste. Sur hors piste, de toute façon, j'ai rien de débloqué. Ouais. On va s'acheter un 42 pouces. Hein. Voilà. Hop, treuil. Bloc différentiel, y'a rien. Route secours air. Le schnorkel. Ouais, ici, on risque pas trop la. Mais on les aime bien, les schnorks. Enfin, j'ai déjà été amélioré ici. Un groupe de motopropulseurs. Configuration standard à propulsion. Toute roue motrice qui donne un couple à toutes les roues à la demande. Ah, ça a l'air d'être mieux ça. Capable, échangeable. Ok. Bon, ça a l'air d'être bon. Et les châssis, oui, mais des Panzani. T'as choisi une mission, t'as vu un truc Non, moi je fais l'exploration, je vais te faire une petite tour de gueule à côté déjà. Ok, hop, bon, je te laisse une petite remorque à rembarre de nul. Je te laisse choisir un peu ce qu'il faut faire pour l'instant. Ok, c'est bien. Eh bien, je ne sais pas trop. Virons ça. Est-ce que je peux virer ça? Je sais plus comment on joue. C'est terrible. Effacer, voilà. Donc toi t'es parti en explo en bas, ouais, je suis pas loin. Chercher les points. Il y a un dépôt de tronc au nord à trouver. Sinon je crois que ça passe par des contrats de chez Husky qui s'y propose voilà. Des outils ouais, pour les fermiers. Livrer à la ferme une remorque à bâche. Voilà, faut trouver une remorque à bâche sur le terrain. On va voir voilà. Si autre chose. Défi sapin express. Non on va pas se lancer sur les défis, c'est bon, j'ai donné. La dernière fois, voyez-vous, j'ai donné. Ok. J'ai trouvé une amélioration, monsieur. T'as trouvé une amélio? Oh, trop bien. Pas trop loin, là, du garage. Je sais plus si ça les débloque pour les deux. Si, mais faut que tu ailles chercher toi, par contre. Ah, c'est ça. Oui, ça me l'a marqué, mais il faut que j'aille la chercher. Des tuyaux en or. C'est quoi, des tuyaux en or? Faut livrer des briques, des poutres et du métal. Accepté. Je vais faire ça, maintenant. Livrer à l'usine une citerne à carburant lourde. Des briques. Attelage haut est requis. J'ai pas d'attelage haut en ce qui me concerne. Mission refusée. Livraison portuaire. Équipement de forage 1. C'est verrouillé. Ah. Alors du coup tu disais toi en... Nord perdu. Une pièce pour forage. Camion avec grue recommandée. J'ai pas de grue non plus. Je suis fauché en fait. J'ai rien sur cette map. Faudrait que je ramène mes camions. Mais bah on va livrer la remorque à bâche. Hein. C'est accepté. Hein. Des outils de fermier, du coup, c'est ça? Du coup, ouais. Bah, du coup, je vais aller la livrer. Hein. Je vais. Ok, d'accord. Ouais, donc du coup, t'as la remorque qui est juste à côté et puis faut l'emmener à la ferme. Ouais, ouais. Mais par contre, du coup, je sais pas ce qu'il faut que je prenne. Donc, dans le doute, en customisation, je vais virer ma benne et puis je vais mettre l'attelage. Hein. Le truc, c'est que je sais pas. On va partir juste sur un... Ah si, j'ai l'attelage haut. Je pourrais... je vais prendre l'attelage bas. Ok, c'était garage. Alors les phares, c'est où? Non, ça, c'est du tout fils de pute. Si tu trouves, tu me dis. Alors, il y avait... Mais alors, je ne sais plus où. Est-ce que c'est sur la manette? Aucun point d'ancrage visible pour le treuil. Non. Vue intérieure. Klaxon. Donc c'est sur PC. Oh, il doit y avoir, je m'en pas trop. Ah, j'ai vu ce que j'ai fait. Je me rappelle plus. J'ai sûr, il fut un. Ah oui, ok, on a déjà un certain nombre de remords ici. Ouais, t'as la remorque à bâche qui est juste à côté normalement. C'est ouais, j'ai la remorque à bâche et je crois que j'ai même la remorque avec la pièce de fourrage. Nouvelle remorque découverte, ok, ça me fait découvrir toutes les remorques du coup. Hop.
que c'est une simple. C'est une simple. C'est une simple. Voilà. Énorme bon machin. Quelqu'un, je crois qu'il faut encore un peu. Et là, faut aller sur les fonctions du. Ah, le caillou! Faut atteindre remorque. Oui, bah là, ma gueule. Ok. Non? Mais non! Il se bat avec des remorques, c'est bon. Non, bah, arrêtez tout. Voilà, c'est ça que je veux en fait. Le jeu me fait des choses des fois, tu fais bien. Il y a le caillou, non, c'est bon. Je vais aller récupérer ton Amelio. Tac. Aïe, oh non, sérieux. Voilà. Fais des choses. C'est parti. C'est parti, peut-être qu'on trouvera les femmes. On ne garantit rien, mais. What? C'est vrai que du coup, la tenue de route est pas ouf. Alors, je suis pas sûr qu'aller chercher la meilleure avec la remorque, c'était ma meilleure idée. Non, c'est pas la meilleure idée. C'était clairement pas la meilleure idée. Je le confirme. Super, on va se régaler. Allez. Oui, c'est vrai que j'ai la vue remorque. Ça va être l'enfer. Ouais, par contre, il faut que je me remette. C'est normal quand même, parce qu'on peut pas déconner. Putain, mais il consomme. J'ai plus d'essence dedans. Un peu le terrain, on a l'habitude, des choses comme ça, pour lesquelles on a l'habitude. Oh l'angle de braquage. Bélé ouverte, canon découvert. On rentre des sapins, tout ça. Alors, le mec il farme le game. Ouais, il y a des trucs, alors comment je fais? Oh, il y a en a des trucs en tuto. Oh, c'est un bon tuto. On sent que je tire la remorque et que c'est compliqué. Mon bandit me manque tellement, le bandit de la triche. Dans l'émission. On peut être tout éclaté. Attends, tu peux pas me m'accrocher au poteau là? C'est vraiment ça pour l'instant. Allez, en plus, tu t'es déverrouillé, ça déverrouille tout, tout ce barreau. Attends, c'est quoi pour avoir le treuil pas automatique? Chez Treuil.
C'est Y et après tu appuies sur Y sur quoi. Et il peut s'accrocher nulle part. Oui, il peut s'accrocher nulle part. C'est Y et Y. Ouais, non, mais parce que tu peux le sélectionner en mode manuel et pas automatique. Et donc il faut d'abord tout le menu de fonction avec normalement la flèche du haut sur ta manette. Okay. Mais je suis obligé de passer par ma touche V, je sais pas pourquoi, parce que le jeu ne veut pas. Tu repasses dans le coin, toi ? Je suis au garage. T'as besoin d'un coup de main ? Ouais, écoute, je suis dans la flaque de bout de sortie et je suis scotché dedans en fait. Aïe. La boulette. Alors attends, on va sortir le camion. Bon après, ça dépend, si t'es loin, tu me dis, hein, moi juste je détache le truc et je peux bouger. Hein. Juste que je lui enlève les merdes. Parce que là c'est la merde de boue. C'est la merde noire. C'est la merde noire. Bloc différentiel sur celui-là, c'est cool. Il fait jour en plus, c'est parti. J'arrive, oh, j'arrive avec la bête en plus, The Beast. Parce que vraiment là, c'est vraiment, j'ai accroché, je me suis accroché dedans. Je pourrais essayer de faire un petit peu. Je vois là, les drifts. C'est un problème. En fait, je suis trop bas. En fait, c'est. Coup, ouais, tu... bah oui. Alors attends, bouge quoi. T'es dans l'acier, ouais. On s'en va avec ton gros truc là. Poète. Alors attends, je vais mettre mon truc là. Bah, il va passer ou tu veux que je rentre dans le truc? Ouais, je te pousse un peu, t'inquiète. Doucement, mais faut que je passe. Ah oui, mais bah oui, tu es dans un potal, d'accord. Oui, je suis un potal. Alors, on va faire différemment. En fait, il aurait fallu me tirer de l'autre côté. Ouais, j'arrive. C'est pas grave, ça m'a dégagé du caillou. Ça m'a semi-dégagé du caillou. Je crois qu'on va faire quelque chose. Est-ce que je peux pas m'aider d'un petit tronc? Touche à rien. Voilà. Ah mais t'es en train de retirer en arrière. Alors non, là t'es en train de faire une grosse connerie, t'es en train de bloquer mon essieu arrière dans le poteau. Libère la remorque. Ouais c'est ça, je pense que je vais libérer là. Libère la remorque, je vais te la tirer un peu. Détacher le treuil, détacher la remorque. Ah parfait. Non mais t'as même pas besoin normalement de la tirer, parce que tu la ramènes dans la boue, moi je peux te la retirer. Ouais, je peux la retirer vers l'avant en fait. Je te libère du poteau. Voilà, comme ça tu peux remettre bien. On a déjà les galères. Ah non, je me mets de marche arrière pour éviter de me retrouver avec un caillou coincé entre deux essieux. En fait, le souci c'est de me retrouver avec une grosse caillasse pour aller coincer sur l'essieu arrière. Et là. Et là tu te dis non, ce qu'on fait, attends. Je vais me prendre la remorque. Tu la prends? Ouais, je vais la prendre. Et ce qu'il faut faire, c'est. Il y a le pylône électrique là, effondré, qui est sur la map, pas trop loin. Je sais pas ouais. Si tu vois. Bah, il faut essayer de la. Faut voir qu'est-ce qu'il faut ramener pour le réparer. Ouais, mais je sais pas si. Il faut y aller pour savoir ce qu'il faut ramener, c'est ça? Ouais, je crois bien, ouais. Ah, okay, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais il me semble. Après, je peux faire les deux, hein. Je peux ramener et la remorque et. T'inquiète, je m'en occupe de la remorque. Là, en fait, dans tous les cas, il faut que je passe par la ferme, aller récupérer le camion qui est au milieu de nulle part. C'est une mission, hein. Il faut juste débourber le camion. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que ouais, il faut que j'aille récupérer le camion, là, le camion embourbé. Il faut le tirer et tu le gagnes. Je suis pas sûr. Si, c'est ça. Si, c'est ça. Ouais, okay. C'est ça. Donc, j'ai envie de te dire, je te suis. Si tu veux, même je peux te tirer un peu. Sur la route, si j'avais besoin. On va voir. Allez, vas-y. C'est moi, c'est toujours un petit assist. Faut déjà. Je te tire là. Et là normalement ça roule quoi. Ah bon, il y a plus de problème.
intégralement sur la route. La prochaine à droite. Ouais, bah t'as juste à te suivre. J'ai tout pingé en GPS. Hein. Je vois pas, je vois que tu vas venir de par là. Ah, pas partagé. Ils auraient pu mettre deux couleurs différentes de pain, je crois. Ouais, 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 ouais. Ça aurait pu lancer les trajets. Il y a quand même de la bonne bouillasse. Oh ouais, mais alors paye ton dans le bombage. C'est pas dans le bombage ça, mon gars. C'est voilà, c'est ça. Je viens de te rejoindre dans la noyade, quoi. des bisous, hein. Toi, t'es plus haut. Hein. Je te laisse y aller. Ah ouais, alors, je bois une gorgée de café pour l'instant. Café. Si je peux aussi supprimer du coup le point pas très utile. T'hésiteras pas à embourber le deuxième véhicule. T'inquiète pas, ça va le faire. Il roule bien mon petit White Oster. Bah là, le problème c'est que le véhicule que j'ai, c'est un véhicule typique de route, quoi. Ah oui, c'est sûr que ouais, c'est un peu compliqué au début avec celui-là. Ouais. Attends, j'ai une aussi là. Parce que je joue encore la zone, tu as encore marqué en jeu. Je crois qu'il faut peut-être accepter la mission avant de le tirer. Ah. Ça va être bizarre que je suis pas sûr de pouvoir avancer dans cette voie. Aïe. Même en creusant. Non, même en creusant, j'avance pas en fait. Il y a un point de creux et ça, par contre, c'est top. Du coup, je peux te sortir tout seul. Accepter camion de repos en bombée activé. Félicitations. Ok. Allez, go. Je pense qu'il a tombé des barrières sans aucune forme de respect. Excellent. Ouais, ouais, bah, il est capable de bomber sa cap tard. Livraison de nourriture chronométrée. Non, va mourir. Tu voulais que j'aille voir les pylons. Le prime, ouais. Pour débloquer la zone pour après faire une tâche, une grosse tâche. Non, moi je devrais pas passer par là. Moi prendre route. Prendre route, route par là, et puis ensuite route par ici, route comme ci, comme ça. Et ah oui, mais pylône effondré, il faut que j'arrive par l'autre côté, parce que le pylône est au beau milieu de la route. Super, excellent. Oh là là. Paf. Voilà. Par ici, et puis par là. Let's go, accepter. Merci Dieu. Et du coup, je sais pas si ça vous a débloqué un véhicule. Normalement, si je crois. Non, ça débloque rien. C'est marqué que ça débloque un véhicule. Je pense que t'es juste là, tu vois. Parce que la dernière fois, ça avait débloqué le Hummer. Ah, après, oui, non, mais ça dépend des quêtes. Après, il y en a qui font pas. Des tuyaux en or, parce qu'en fait là je crois qu'il faut faire des tuyaux en or, et pour faire les tuyaux en or il faut débloquer les pylônes. Il faut aller voir ce que ça a. Ouais, bah j'y vais. Je go, je pense que je vais récupérer d'ailleurs ce camion en pneu route, parce que finalement il n'est fait que pour ça, et que de toute façon dès que tu sors complètement dans la boue, c'est la misère. Donc j'ai au moins une batte de route. Parce que là, même avec des pneus, alors c'est pas du tout terrain, parce que les tout terrains sont verrouillés. C'est dans ce moment-là que tu te dis qu'est-ce qu'elles sont bien de route française. On est content d'avoir de l'asphalte. Donc en fait ouais, c'est ça, c'est toutes les quêtes que tu croises dans le jeu, il faut les accepter, comme ça après tu les fais quand tu veux. J'ai vu qu'il y avait une petite quête aussi à côté, mais je vais d'abord aller débloquer les Je viens de la prendre, je viens d'en prendre. Ça va libérer nos routes.
afficher la tâche. C'est possible de travailler dans ce coin, qu'ils ont mis quelque chose. Ok. Qu'il nous faudrait activer, d'accord. Mais commencer à suivre cette mission, voilà. Poutre en métal, de blocs de béton, tout ça, tout ça. Alors ouais, c'est ça qui je voulais. Sache qu'est-ce qu'il faut prendre. Alors, on va aller aux différentes possibles choses. Tu l'as accepté du coup, c'est une quête. Ouais, je l'ai accepté, elle est là, tu donnes des clics effondrés. Normalement tu peux aller dans ta, liste de missions, la suivre aussi. Mais normalement moi je l'ai mise en suivi, donc ça devrait fonctionner pour toi aussi. Voilà, ça, c'est dans quoi voudrais, s'il vous plaît. C'est dans quoi le contrat? Je sais pas dans deux secondes, je suis chaud. Ligne électrique, ouais, c'est bon, je m'en mets des ronds. Je crois que c'est ça. Je m'en mets des vrais ronds. Déjà, il faut que je mette le plat à l'arrière. La cassette à rambarde. Et je me suis remis un bloc diff. Et voilà, c'est les deux. Je vais me remettre en autoroute. C'est bon, t'as réussi à trouver? Non, j'ai pas toute la quête là sur. Alors, c'est échappe. C'est échappe et c'est le premier truc de task, c'est le truc qui ressemble à. Ouais, c'est bon. Enfin, dans ta poutre en métal, bloc de métal. Ouais, yes. C'est ça. Ok, d'accord. Donc, du coup, faut aller chercher là-bas. Et à première vue, il faut que je prenne une remorque pour ça, si je dis pas de bêtises. C'est celle qui est à côté de nous. Non, ah ça c'est pour du rondin en bois. Je pense que t'as dû prendre une mission de rondin en bois. Non, j'ai rien fait de particulier. Ah non, j'ai directement une remorque avec de l'acier dessus. Avec deux trucs d'acier dessus. Du coup, ce qui a l'air d'être complètement ça, du coup je la récupère. Ouais, c'est ça. Hop là, un peu trop loin. Donc toi t'as quoi? T'as un ou deux ferrailles dessus hein? Deux aciers dessus, il a manqué que du bétonnasse. C'est du béton. Du béton, on retrouve. Vraiment, la nervosité de ce camion. Là il y a des remorques qui sont là-dedans, non? Essence. Là t'es les remorques. Si. C'est bon, j'en ai. Là je me ferai un là. Ah oui, il faut faire. Regarde pas ce que je fais. Je vais tester. Ah oui, il faut d'abord faire LB, ensuite faire. C'est ok, d'accord, ça marche. Et donc, je confirme sur carte. C'est bien livré au pylône électrique et à côté de la ferme t'as une deuxième remorque à récupérer je pense avec, yes. Avec le béton. Exactement. Je peux tout faire hein, puisque ça a l'air d'être full route. Oh bon, t'as je vais récupérer des restes pour débloquer ça. Non, bah, faut faire ça pour débloquer les routes. Patinage.
t'as un camion qui est pas très puissant. Je pense que c'est bon, donc je vais te mettre. C'est vraiment dès qu'il sort de route, c'est l'enfer. Ouais, tiens-moi jusqu'au bout là, fais plus. Là, je suis en galère, wesh. Tu vois bien qu'il y a encore de la boue. Ah non, ça l'avais pas vu, je croyais. J'ai pas vu que le train y avait lâché. Ouais, le train y a lâché. T'as foncé trop vite. Ça a pété. C'est bon, d'accord. Ah non, je te laisse tirer, coco. Parce que effectivement là, je roule très bien sur autoroute. Ça se passe très bien. Il va y avoir un petit arrêt pipi ici. Par contre, ouais, tu veux récupérer un truc. Ouais, la remorque. Après ouais, tu me tires jusqu'à l'autoroute, on est bon. Ouais, c'est là, c'est l'autoroute, il y a la route. Ouais, c'est ça. Le même, tu peux me lâcher ici, c'est, je suis dessus. Si tu pouvais récupérer ta remorque là si tu veux. Enfin, tu peux récupérer ta remorque si tu veux. J'énerve pas parce que j'ai une remorque chère. Merci, hein. Merci pour la petite tirette, la poussette, la soufflette, tout ça. Nouvelle remorque découverte, remorque à platal. Est-ce que j'aurais oublié de tourner? Non, j'ai pas oublié de tourner. Donc en fait là, c'est reparti sur de l'embourbement. Ouais, donc du coup, comme je savais pas qu'il avait pas fait les autres maps de cette carte, en fait, quand tu vas arriver sur les cartes qui sont le plus loin d'ici, ouais, tu vas devoir ramener des citernes d'essence pour te ravitailler parce que t'as plus de pompe à essence dans les autres maps. Du coup, tu dois faire des trajets de plusieurs journées. Du coup, c'est un peu la misère. Tu verras. D'accord. Parce que je sais qu'Alaska, il y a quelques citernes. Mais en vrai, après, tu vas voir, c'est facile. Ouais. Puisqu'on peut se ramener. En fait, maintenant que je vois qu'il y a le mode difficile, on va directement démarrer le difficile avec l'impossibilité de ramener son camion. Non, je reste comme ça. Tu vas voir que la suite, le reste à la fin est plutôt assez compliqué là-bas. Voilà, ouais, que je vais mettre en mode immersion à l'intérieur. Waouh! C'est avec la petite hawaïenne là. Avec des vrais tableaux de bord là, incroyable. Ce jeu qui a décidé de faire des tableaux de bord. Parce que le mec avait eu même la flemme, on rappelle, dans les offices précédents, de coller ne serait-ce qu'un JPEG. Avec le bruit de la pluie sur la carte. Ça c'est casque vert et volant. Bon. Tu fais que tout en l'intérieur du. Tu fais tout en cockpit, du cockpit. Ah ouais, je suis en cockpit. Bientôt le bitume. Quoi? Faut pas que je touche le bitume là? Le jeu est en train de me bloquer s'il veut pas que je touche le bitume? Laisse-moi toucher le bitume. La poussette. Je ponce le sol. Ah si, je suis en train de grimper dessus, mais juste à la vitesse du torque. Ah ouais, y'a du gras devant. Allez, on est sur du bitume, là, débarrasse toi. Ah voilà, c'est bon, tu viens d'arriver. Voilà, et là d'un seul coup ça va mieux. T'as plus de boue sur tes pneus, ça va mieux. Moi tu me fais des beaux sillons là. Ah bah oui, là, c'est le champ pour moi quoi. Et encore ça va parce que celui-là il a des pneus assez larges et double assez lisses, donc je te fais pas des sillons si moches que ça. Sur Alaska j'ai fait des sillons mon gars. En fait Antonin est passé derrière moi, ils sont direct. Ah, tu m'étonnes. En fait, j'ai mes deux roues, elles touchent tout seul. Ah, ça, c'est peut-être à cause de moi. Décharger. Décharger. Je vais encore. Ah non, c'est bon, je ne sais plus rien. Non, t'as pas besoin, il y avait besoin que d'un seul acier. Ouais. Ah, par contre, il va y avoir bouchon. Ouais, non. Alors, attends, je vais m'intercaler ailleurs. Aïe. La rambarde de sécurité. Alors, bouge pas. On va voir quelle heure. Action suivante, maintenir. J'ai tâche, action suivante. J'ai suivi de la zone. Bon.
Et après, il veut pas que je... Ah, voilà. Après, il veut pas que je... C'est pas ça. Activer la rampe. Déballer cargaison. Faut que je fasse déballer cargaison. Ça juste à valider la mission. Ça te prend deux blocs de béton. Ça veut pas. Tu te serais tenté de revoir, mais c'est pas possible. Puisque ça t'a le logo dessus. Ouais, le logo dessus. Attends, je suis en train de me dire, est-ce que ce jeu serait pas assez con pour dire que ce jeu doit valider? Je suis en train de dire que c'est une possibilité. Alors attends, je fais dans quel monde je joue contre Drac. Je suis content de Captar. Ah, d'accord, on essaie de reculer tous les deux en même temps, c'est très intelligent. Et avance, avance un peu, avance. Voilà. Non, t'arrives à bouger ou pas? Ou c'est moi qui te gêne? Gestion de cargaison, maintenir les champignons. Bon, si je fais ça au clavier, ça fait quoi? On fait pas au clavier. Ok, alors moi je vais détacher ma remorque, parce que ça a l'air d'être la merde. Essaye de... Ah oui, peut-être qu'il faut que tu actives une option pour que je puisse valider tes missions. C'est sérieux ? Peut-être. Ça, j'en trouve que je me passe ça. 20 fois. Sur la cargaison. Des blocs. Ah non. Mais non. Ah oui, c'est... Mais du coup, la remorque se barre. Putain. Il a oublié de caler la remorque. Mais non, c'est juste parce qu'en activant le truc, ça décidait que ta remorque n'avait plus de frein. Enfin, voilà. Toujours wow. Michigan, c'est bien. Que je dépose de l'acide, mais pas que je dépose de... pas de cargaison à charger ou à décharger. Mais c'est parce que t'es pas attelé pour de vrai. Moi je suis pas attelé donc attends je vais donc, je prendre la plage. Je vais la tirer. Ouais, ouais, vas-y. Ouais, on va se libérer un peu d'espace, tu peux dégager l'autre bord quand t'as lancé. C'est ce que je fais. Ah ouais, alors là si tu me fais une travers de route, ça va être chiant. Je vais le mettre sur le truc. Je t'abats les... Voilà, paf. Paf. Il y a un risque de tempête chez moi. Comment ça? Ah, IRL. IRL. Ouais, ça commence. On est dans le Michigan, hein, c'est assez... voilà. Ah, ça doit être ça, c'est Michigan IRL. Mais aucun dérèglement climatique n'a dit le président américain précédent. Il s'appelle Joe Trump. Une petite fusion. Aïe aïe aïe! Non, c'est bon. Juste un peu. Attelage de revoir. Merci. Chien l'arbre. Voilà, je suis appelé. Vas-y, essaye de rentrer dans la zone. Ouais. Je verrouille mon frein de parc. Je gestionne. Je déploie mon bloc de béton. Ah ouais, tu vois, ça a marché. Moi, accepté. Ça marchait pas du coup. D'accord. Alors, où est-ce qu'il faut que j'aille pour être autorisé à le faire? Alors là, je sais pas. Par contre, pour regarder dans Start, menu, option. Tirage, masque esquiva, luminosité, longue du jeu, unité, calon miles. Oh non, mètre litre. Et en plus, il me semble que c'était un peu galère à les trouver. Détacher l'arme. Il me semble. Waouh, j'ai pas idée surtout de où ça peut être en fait. Ouais, ouais, c'était un truc genre trop dur à trouver. C'était débile. Profil de joueur F4 peut-être.
Donc je vais aller voir. C'était dans... Alors, fallait faire un truc genre comme la carte ou menu principal, option... c'était pas dans les, c'était pas dans le start basique. Je m'en souviens. C'était un truc à la con, aller chercher. Faire le plan, je vais dire là, je vais vider donc quelqu'un. C'est parce que t'avais pris toi ça sent la quête aussi non? Je dis pas de bêtises. Ouais j'avais pris la quête ouais. C'est dans paramètres, ça y est pas, ça m'est d'accord. Bah, genre te sélectionner toi en plus, genre d'une part, quoi, genre tu n'existes pas. C'est chiant. C'était pas un genre un truc donner la remorque ou un truc comme ça. Peut-être. Je sais pas. Je... Alors là, ça me fait PTM boulard. Mais bon, c'est pas grave. On l'a. Du coup, on a débloqué dire... ça. Et maintenant, faut faire la quête. Alors moi, il me reste un béton. En fait... Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui veut un béton. Je le livre maintenant. Il reste deux bétons même dedans. Deux bétons dedans? Normalement non. Deux bétons. Si, il y en avait quatre dedans. Oh, ouais, 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 c'était un gros truc. Hein. Gros truc. Oh, je suis en train de me dire que pour faire demi-tour, faut que je passe par la ferme là. Oh là 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 là. Comment ça, demi-tour? L'endroit après les sapins, c'est quoi cette merde? C'est une qui nous a filé ça? On a une livraison de nourriture sinon. De consommables à la ferme qui est juste à côté. Moi je propose de le faire, c'est à côté, c'est la maison. Livraison de nourriture. C'est quoi qu'il faut? De livraison de nourriture, de consommables. Site de forage, faut les prendre à. Il faut les prendre à la ferme pour les amener au site de forage. Ah oui, mais on n'a pas fait l'explo entre les deux. Mais bon, alors voilà, en fait, l'histoire, si tu veux avancer dans la quête. Les deux. Si tu veux avancer dans la quête principale, il faut faire normalement les quêtes où il y a une petite planète. Non, pas ça, c'est laquelle? Il y avait en fait des grosses quêtes à faire. Parce qu'il y a les petites quêtes et les grosses quêtes. T'as celle avec les planètes, celle qui t'envoie. C'est celle qui t'envoie hors map. À côté, ouais. Sur d'autres maps. Mais là, de toute façon, ce qui pourrait déjà être sympa, c'est de. Bah, déjà, par exemple, aller récupérer le véhicule semi-embourbé qui traîne dans un coin. Je pense qu'effectivement, il faudrait éclairer la zone qui va vers. Justement, sur la quête que j'ai acceptée là. Livraison de nourriture, je crois que je l'ai même pas encore accepté. Où il faut aller jusqu'au site de forage, donc je sais pas si tu vois où ça se trouve. Point du tout pour l'instant, j'ai regardé un peu, je regarde ce que ça raconte. Le motel miteux, c'est quoi ça comme site? Parce qu'on est pas mal dans le noir. Hein. Motel miteux, ah il faut l'accepter. Par contre, en vrai, hein, il en livre du contenu ce jeu. Pfiou. Ah oui, il y en a un. Faire. Il y a des heures dessus. Ah mais il y a un temps en plus. Ah oui, j'ai pas fait gaffe à ça. De quoi? J'ai pas fait gaffe que même sur des missions comme ça, en fait, t'as un temps. Genre là, c'est 6 minutes pour livrer les consommables. Ah mais ça, c'est les tâches, c'est les défis. C'est même pas un défi, c'est juste ta rémunération, quoi. Okay. C'est livraison de nourriture, c'est ça? Ah si, il est chrono. Ouais, t'as raison, c'est un défi, les chronos. Ouais, c'est les défis. Tâche, sinon, on a l'endroit après les sapins. Scout recommandé. Non, mais faut faire les contrats. Les montagnes, hein. faut avancer sur le contrat, faut pas se prendre la tête. Hein. Sur le contrat. Donc, sur les contrats de type contrat, quoi. Ouais, c'est ça qui fait avancer la quête. Forwarding, Dyson Diesel et tout ça, quoi. C'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et toi, tu vas aller faire des tuyaux en or. Je sais pas si il faut faire les tuyaux, mais. Sauver la récolte, il faut aller à la. C'est livrer à la ferme. Donc, que nous connaissons. Des briques, des planches de bois et des poutres en métal, tout ça dans une zone que nous connaissons déjà. Briques, planches de bois, poutres en métal. Alors, là, il ouais, y a qui seront du côté de la Syrie. Des entrepôts et tout là où y a, autour de la station service quoi, le gros pôle urbain au nord de la station service côté de l'hôtel Miteux. On peut aussi récupérer sa quête d'ailleurs au passage. Briques, où est-ce qu'on peut trouver des briques? Bah moi en fait je les ai toutes, c'est à dire que là si j'accepte la mission on les voit tous, les différents points où il faut les récupérer. Ah ouais, c'est ce que je regardais justement. Bah si tu veux je l'accepte comme ça on peut, tu peux la voir. Voilà. Ah oui, je la vois déjà, hein, j'ai le truc, je regardais où est-ce qu'il fallait les chercher les briques. Voilà. Il y a une brique ici, il faut deux briques.
pour être une remorque avec les autres dedans. Alors brique c'est pas béton, hein. Donc, du coup moi je sais ce que je peux regarder. Je sers à rien quoi en fait. Il y a peut-être un endroit où on peut aller chercher c'est... directement. Je vais essayer de ramener cette remorque au bouger. Sauver la récolte, des planches de bois. J'allais chercher des planches de bois, voilà. J'allais chercher dans mes petites planches de bois. Après, si je veux pas tout bouffer, il faudrait que je passe. Total et en lent. Merci. Mais là on bouge même plus en fait. Ah, L pour les phares monsieur. L pour les phares. L pour les phares. Intégral, ça se passe quand même mieux sur la boue. Pas se mentir. Ouais. Et là, c'est pas bonne. Et là, c'est chiant. Ça, quel plaisir. Alors, ça ressemble à du goudron, ça. J'ai envie de prendre le goudron, mec. Hein. De balader sur le goudron. Après, en vrai, si tu veux te simplifier la vie, déjà, tu prends ton petit véhicule scout là et tu vas chercher toutes les tours de guerre. Ouais. Tous les points de vue comme ça, après, les camions qu'on peut débloquer et tout ça. Et débloquer toutes les missions une par une, du coup, pour aller voir ce que ça. Je pars en véhicule scout avec du béton. C'est une idée. C'est pas forcément bonne, mais c'est une idée. Alors, pour l'instant, je le ramène à la maison, je fais un tour vite fait, je vois, j'éclaire les routes. Ah, et je viens de trouver un véhicule en bourbeille. Ouais, voilà, tu vois, il y a des trucs à faire, un petit truc comme ça. Mais non, mais c'est même pas un véhicule en bourbeille. C'est quoi cette mission chelou? C'est juste une citerne. En fait, surtout, ce qui m'intéresse là, c'est en suivant la route, c'est de remonter au fameux pont qui nous, sur la mission de site de forage et de voir les ressources qu'ils vont nous demander. Suffisamment. Bon, tout est en état minable, parce qu'on peut repérer des choses, c'est pas possible. Légère consommation de 10 litres par minute. Ah,
Mais au moins t'avances. Moi en haut, je pourrais. Je suis à terre, fond, je suis là. Mais j'avance pas. Je sais pas combien je suis là. Dans la boue là. Voilà, on va passer là. Première petite rivière, attention. Ça nettoie les roues. Bah, il faut que je la prenne pour savoir ce qu'il faut appeler dessus. Donc c'est fond dans la montagne. Ok. Je suppose que c'est une tâche, non? Fond dans la montagne. C'est bien contraire. Il faut aller ramasser deux blocs de pierre. Non mais attends. Il est dans sur lui. Oui, bah oui, c'est ça en fait, je les ai sur moi. Est-ce que je peux escroquer le jeu? Est-ce que j'ai le droit? Non, en vrai, je crois que c'était fait exprès cette remorque pour faire et les pylônes, et après tu continues, tu fais le pont qui est derrière. J'ai la tâche. Ah, mais. Ouais, c'est ça. Ah non, il me faut de la poutre en métal. Là, il se fait du béton, ça. Genre, mon béton ne compte. Alors, pourquoi tu me dis d'aller chercher du béton? T'es débilus ou c'est comment? Faut que j'aille chercher deux blocs de béton. Non mais deux blocs de béton, des fois il y a peut-être un sens, genre faut d'abord mettre le métal et après faut mettre les blocs de béton. Ah, attends, faut peut-être aussi les livrer au même endroit. Genre, pendant la montagne, je vais prendre ça pour l'amener là où je suis. Comment c'est ça? Ah oui, poutre de métal et deux blocs de béton et après, à livrer. Tu mets les blocs de béton qui sont par-dessus. Livrer au pont dans la montagne, c'est ça. Il faut que je... Bah, du coup je vais laisser la remorque sur place parce qu'effectivement il faut d'abord livrer les... Sûr. Business, hein. Moi je ne suis qu'employé. Hein. Je vais décaler ça quelque part. Parce que du coup, en fait, l'autre remorque où il fallait qu'une seule poutre en métal, ça a tout pris dessus, hein. Il reste plus rien. Non, il n'y a plus rien, faut aller chercher. Si tu veux, ça je peux m'en occuper, je peux aller à la scierie. Avec une benne. Ouais, bah, complètement. D'abord, j'envoie mon bois. Je remonte plus, parce que j'ai peur qu'elle redescende cette remorque à la coupe. Je me demande si tu es là chez son calais. Ouais, mais tu sais, la dernière fois quand t'étais sur site et que j'ai repris la remorque, ça l'a fait bouger, ouais, et elle a glissé, elle a dérapé. Genre là, il y a quand même une belle côte. Je la tire un peu plus. Quitte à devoir la treuiller pour la reculer un peu. Au moins, un, elle est pas au milieu de la route. Deux, elle bougera pas. Un, j'arrive, les pignons. Avec du bois. Bah, je vais tout simplement me rappeler garage, je vais pas me faire chier plus que ça. Mais non, je vais pas charger. Récupérer. Le véhicule a été récupéré. Du coup, la recommandation c'était de se tirer en scout, en Chevrolet. Customisation de la Chevrolet. Ah, c'est un peu plus long. Non, c'est ça. Gestion de la cargaison. On est en pneu autoroute, vraiment. Genre, on est obligé vraiment de subir ça. Voilà. Puis normalement, treuil long, treuil autonome. J'ai pas l'argent, dommage. Pourquoi tu veux pas un treuil autonome? Bah, le treuil autonome, c'est ce qu'il y a de mieux. En fait, quand ta voiture est retournée, tu peux quand même te treuiller. Oui. Ok, d'accord. Champignons hauts, normalement, il n'y a pas besoin. Module de châssis. Quand est-ce qu'on se retourne en jeu? Jamais. Ah, bon. J'aimerais bien. Mal d'outils de réparation. Est-ce qu'ils font des consommables quelque part? Oui, il fallait deux consommables pour la ferme. Non, c'est la ferme est produit de consommables. Non, il fallait deux. Non, il faut des briques. Briques et poutres en métal pour la ferme. Ah non, c'est pour le site de forrage qu'il faut deux consommables. Eh bah vas-y, je vais charger direct la remorque, comme ça sera fait. Sauf que tu risques de déclencher la mission. Bon.
et que ça nécessite de passer par deux ponts effondrés pour aller au site de forage. Pour l'instant, on n'en a qu'un. C'est pas grave. La remorque, elle sera déjà chargée comme ça, il n'y aura pas besoin d'aller chercher. Ok, ça marche. Ça sera du gain de temps futur, voilà. J'ai pris les biens consommables. Ouais, ça marche. J'ai de la bouffe dans le camion. Et il pourrait se faire une petite, renvoie de vraiment de ton à la ferme. C'est vraiment des petits. Des péons de base. Même pas ils sont où. On est sur du tout terrain. Il fait beau, il fait sec, on est sur l'asphalte, on dérape. C'est beau quoi. Et tu peux qu'il s'écrase, vous savez. Là, total. C'était la première à droite, oui, c'est ça. Presque moins de bruit dans la voiture. Des phares ? Des phares ? Merci. Oh, le passage de rapport là. Ah, je pourrais passer dans des montagnes encore plus obscures. Genre, visiblement, il y a une gas station à trouver par là. Pas mal, autre chose. Oh, je sais pas. On va prendre. On va éclairer ce qu'on connaît déjà. Ah, bah, ça a calculé. Déjà, j'en peux plus. Ici, ça va être bien. Ça, les employés qui bossent mal alors que tu les payes même pas. C'est un scandale. Hop. Détacher l'armoire. Voilà, parfait. Tu peux être capteur. Le plan. Concessionnaire, dans ce genre, super logique à l'occuper. Bon, tu disais que c'était une dinguerie, c'est ça? Bon, c'est pas une dinguerie, non, c'est pas une dinguerie. Y a mieux, mais c'est un véhicule que j'aime beaucoup. En fait, son comportement me va très bien, il me parle bien, c'est un véhicule que je trouve bien. Ok, ok. Et globalement, c'est un véhicule, quoi qu'il lui arrive, quel que soit le temps qu'il mette, globalement, t'appuies sur avancer, il avance. Ouais. Ça, c'est quoi. Quoi qu'il arrive. Ça me rappelle un autre véhicule à 8 roues en mode runner, tu vois. Ouais, donc, citerne égarée. Donc, on va nous demander. Ça, c'est un contrat où on nous demande de retrouver une citerne. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de nécessité immédiate. Ah, il y a une grosse citerne ici. Station service. Tu peux faire le maxi plein. Bah, voilà, on adore. Ah, oui, mais alors, je crois que je peux faire plusieurs pleins. Faut que je vérifie que tout soit plein sur mon véhicule. Station service. On est dans le même là. Enfin, tout est méga plein. Du vrai, l'entrepôt, la marque de carburant, du vrai, on peut la vie, deux consommables, deux planches de garage. Et le pont est pas fait. Le pont est pas fait, il manque que l'acier. Un acier, et le pont, t'as déjà les deux bricasses de bétonnasse dessus. Ah, la petite étape, fallait la chercher là-bas. Ok. De là, c'est ça, faut que je prenne le petit chemin sans bon la noisette. Hein. Je me rappelle soudain ce grand jour de fête. Let's go. J'ai oublié une petite remorque qui traîne quelque part.
une remorque avant. Ouais, mais... Parce qu'en fait, les remorques pleines, du coup, faut... Faut mieux les garder très en route. Je peux en débloquer. Il a trouvé une nouvelle amélioration quelque part. Une amélioration qui est pas loin. Ouais. Trouver une amélioration, hein. Ouais, qui est pas trop loin. Ouais. Ah ouais. Ah ouais, elle est pas trop loin, mais elle est dans la bonne bouillasse. Oui, tout à fait. Après, en vrai, je peux aller la chercher. En vrai, ça va se trouver. Ça, ouais, je vais même aller la chercher en fait. On me dire que je vais faire ça. Ouais. Pouette-moi ça ici. Pouette-moi ça par là. A mon avis, il y aura une quête par ici. Hop, petit tour par voir là, local. Et genre. Ce serait à partir de là, globalement, qu'il faudrait quitter la route. Ou alors c'est un piège depuis le début. Et j'ai envie de dire que c'était sûr en fait. Et on va passer plus genre par là. Normalement par là. Par de là et l'objet est de là. Let's go. T'en hurler, tu fais des campings. D'acier pour le mettre de ce côté-là de la carte. Du coup, les remorques, je crois que tu peux les ranger aussi dans le magasin de remorques. Hein, si ouais, normalement, il faut. Toi, tu peux les récupérer. Il faut les récupérer, justement, pour éviter d'avoir à les acheter. Ok, j'ai récupéré donc une Amélio. J'en ai récupéré une. Je pourrais aller voir le barrage routier pour savoir également ce qu'il faut. Ce qui t'intéresse énormément, je ouais, suppose. Ouais, ça serait pas déconnant, ouais, parce que du coup, tout ça, faut, en fait, faut débloquer toute la route qui fait le tour. Le pont dans la montagne. Et du coup, pareil, ouais, ça me permettrait du coup d'aller encore jusqu'au pont pour savoir ce qu'il faut pour accéder à l'usine de fourrage. Donc, hop, le niveau 2, il a un petit peu de niveau.
Où est-ce que j'ai mis... Ah, il est là. Ok, afficher la tâche, accepter. Le barrage routier, c'est pris. Afficher la tâche juste pour voir. Si je la suis, il me dit quoi? Ça sera deux pièces de rechange. Deux pièces de rechange. Alors, les pièces de rechange, c'est un petit peu, il y en a un peu partout. Là, du coup, je vais. Hop, efface-moi ça en direction. Ah non, je vais pas en direction du fameux pont qui va à l'usine. Je l'ai raté en fait. J'aurais dû tourner. J'aurais dû tourner ailleurs. Là, je vais où? Je sais même pas où je vais. Excellent. Vous ne savez pas où vous allez. Intéressant. Ah, ce qui fait que pour accorder ce point-là, il faudrait que je fasse le grand tour et aller par la route qui est là-bas. Ouais, je vais faire ça, comme ça je vais éclairer un peu plus la zone. Je suis lancé. On va se mettre un point, genre, par là, à peu près. Hop. Ah, je recule. Le moteur. Je scoute, hein. Je suppose que t'es en train de faire de la livraison, mais... Ah bon, mais moi je bosse, hein. Ça. Ouais, je bosse aussi, mais... Je fais de l'éclairage. J'arrive en ville là. Je prends un petit café chez Martine. Un petit café. Voilà. Oh là là, la rambarde en boîte qui éclate ma voiture. Non, mon camion. Voilà. Oh là là. Oh. Que moi chez Martine, j'ai vraiment l'impression que j'y suis passé il y a 20 ans. Ah, je suis là. Là, je vois encore la civilisation parce que je vois des poteaux électriques, mais c'est tout. Quand ta civilisation se limite à l'éclairage, c'est que t'es en Bretagne. Morbihan, quoi. Au moins. Ouais, du coup, c'est là mon point de raccordement. Laisse go. Ah, il y a l'hôtel miteux, je crois qu'il y a juste. Ah, il y a une amélioration qui est juste là aussi. Mais pareil, tu vois, des trucs que je trouve un peu dommage dans ce jeu, c'est que tu reconstruis des ponts, tu reconstruis des pylônes électriques. Mais genre, il y a des sections en bitume qui ont disparu, genre, tu peux pas les réhabiliter, tu vois. Ah oui, c'est un peu dommage. Ça permettrait de plus exploiter, d'exploiter un peu plus des comment ça, gas station? Genre, il y a une gas station par là. Mec, ah oui, d'accord. Ah oui, t'indiques ça de très très loin, quoi. Et là, c'est la citerne égarée. Ah, je pourrais essayer d'aller récupérer la citerne égarée avec mon véhicule de scout. Le motel vite. Oui, il faut que je parte en direction de la gas station. Faire la petite tâche de l'hôtel Vito. Non, non, c'est juste passé pour l'activer en fait, pour qu'on sache ce qu'il y a à faire. Ça va être un défi, ça, je crois. Non, non, c'est tranquille, faut juste ramener une petite remorque à bâche. Tranquillou, le mec il a oublié une remorque à bâche dans le bayou. Rien de grave, normal. Ouais, bah c'est une caravane en fait, c'est ça son truc. C'est un hôtel à bâche. C'est un hôtel à bâche. Bon, alors là, j'arrive à l'acierie, on va y prendre 4 trucs de métal pour être bien besoin. Camion, je charge l'armement. Maintenant on est blindé. Comme pas permis. Il y a de la route ici. C'est New Age. Ah oui, c'est New Age, en effet. Ah mais j'ai complètement raté, en fait je pouvais monter ici. Allez. Vous avez tout raté. Vous êtes un gros cake. D'accord. C'est pas pour l'essence que je dépense et puis c'est pas avec la réserve d'essence que j'ai. C'est quoi le véhicule que t'as en fait? Je sais même pas. C'est le petit scout basique là, le premier. Chevrolet. Ouais, ouais, le Chevrolet, la CK 1500. Je l'ai bourré jusqu'au bout, celle-là. Et il est bien, hein. Ouais, moi je l'ai full amélioré, ça roule bien. Hein. Ouais, même là de base, j'ai mis des pneus tout terrain parce que j'ai que ça en Ouais, voilà, c'est ça. C'est assez léger, roule, quoi. Hein. Ouais, mais c'est léger, mais pas trop, ça s'envole pas non plus, tu vois. Oui. Ce qui est bien, par rapport à certains véhicules de scout qu'on a pu connaître sur des jeux précédents où le moindre caillou, tu voyais ta maison. Tu voyages. Ici, il faudrait que je lâche le petit truc ici. On va d'abord livrer là. La ferme. Ah, faudrait rouler doucement. C'est trop dangereux ce que je fais. On fait une descente en piqué. Descente en piqué.
peut assumer. On peut assumer sa descente. C'est assumé comme descente. Prends la main. Oh. Là, c'est l'observation. Encore des améliorations découvertes. Allez, vas-y, Coco. Nouvelle mission découverte. Ça va, en bois. Dépôt de tronc. On a une Chevrolet Kodiaq à ramasser. Ah, une amélioration sur le bout d'île pourri. T'as un camion à aller chercher du coup, c'est ça? Ouais, 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 tout à fait. Mais je vais d'abord me rapprocher de l'entrepôt. Il y a une quête à l'entrepôt. T'as un truc à récupérer à l'entrepôt? Ah bah c'est moi! C'est moi, je dois récupérer les pièces de rechange pour le... pour le pignou. Je vais voir si je peux les récup avec le petit Chevrolet. Je vais aller récupérer la citerne. Déjà. Je te sens bien... Je vais déjà récupérer la citerne. Bien enthousiaste pour aller récupérer une pièce de rechange. Alors, bah, en fait, je suis enthousiaste pourquoi? Parce que déjà j'ai un véhicule qui est tout terrain et parce qu'en fait il y a beaucoup de routes. De routes relativement propres. Donc je me dis, si c'est pas une grosse remorque de sac, ça doit pouvoir se tirer. Pas très vite, mais ça doit pouvoir se tirer. Sinon je te la laisserai et je l'avancerai un tout petit peu et puis voilà. Je penserai tout ce que je peux l'avancer sans creuser des sillons monstrueux. Ah non, 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 la remorque! Je commence à se faire la main. Je livre la ferme et je reviens d'abord. Reste tranquille. Consomme aussi. Heureusement, on joue plus en rue, on est obligé de charger à coup de vodka. Fallait faire beaucoup d'arrêts, ça consommait beaucoup. Maintenant, on joue en américain, ça consomme plus du tout de vodka, ça consomme la même chose, mais whisky. Exactement. Tennessee whisky. J'arrive. Je ramène vos tubes en acier. J'espère que la remorque ce sera une bonne remorque hein, parce que sinon ça va être une dingue à tirer. Hop, et il faudra ramener du coup deux briques. Ça sera bon pour sauver la récolte. Donc le canon citerne là-bas. Ah ouais. Ouf. Bonne quête, traverser la map deux fois. Allez, bonne quête, aller-retour. Ouais, c'est une petite chose qui manque dans le jeu, genre là j'avais un chemin qui était plutôt joli. Ouais, bah, j'aurais pu avoir un véhicule avec de l'abattage d'arbres ou l'abattre à la main à l'ancienne comme un gros sac ou tout simplement retirer des branches basses. J'étais bien, je passe. Pourquoi je suis en bordel? Je vais mettre en bordel. Sur quelque chose en particulier? Ah, possiblement c'était une branche. Ah non, je suis embourbé, embourbé, mais pourquoi? Mais c'est vraiment ça là? Je suis de ça, là, bon. Attends, c'est pas possible. Il y a un truc. Non, 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 non,
un moment où j'ai de la morse ou de la tranche. Non. Blague. C'est le meilleur. Tu me fais ta meilleure blague. Oui. Oui, c'est ça. Je t'ai coincé dans un truc. C'est pas possible. Un truc, c'est une taupe. Oh, je suis beau, mais c'est... Camion citerne à tirer, ça va être une histoire. Je pense que je viens d'échouer ma mission. J'ai pas commencé, je sens que j'ai déjà échoué. La tâche. Accepter. Commencer à suivre. Livrer au parking à citerne. Attends, faut le livrer en plus. Méga blague. Ah ouais, c'est pas drôle sinon. Citerne est garée, faut la livrer. Ah. Ça a l'air loin apparemment ton histoire. Bah déjà c'est à côté du pont que tu dois reconstruire, visiblement. Ouais, je suis tué là, ça va bien. Ah, ça a l'air d'être en fait la fameuse remorque que je dois ramener bah au garage où t'arrives là, chez Martine là. Oh ok d'accord, ouais c'est ça. Ouais c'est cette histoire là en fait. Ils ont perdu une citerne. Voilà, il va y la chercher. Ah puis ils l'ont bien perdu hein. J'ai envie de dire que t'avais envie de la perdre en fait, c'est ça l'histoire. Donc bon bah moi je le laisse là, hein, il faut camion recommandé tout terrain, et crois-moi bien qu'il faut camion tout terrain. Camion qui aime rouler dans le marais. Parce que clairement, moi je veux bien, mais je peux pas. Le mec dit ça, mais il est en train de la tirer quoi. J'ai déjà testé des escroqueries comme celle-ci. Non. Est-ce qu'on n'a pas genre un autre point? J'ai attaché ça où? À la remorque. Trop safe. On va bouger un peu. Alors, déjà, il y a des techniques qu'on peut faire. On peut faire le plein. Vas-y, vas-y. Ah non, pas à partir de la remorque de carburant, j'en ai rien à foutre. À partir de ma grille de toit. Merci. Voilà, il reste un litre dans ma grille de toit. Excellent. Et quel camion de police on va poser derrière. Chaud. On avance. Est-ce que si on passe en prod, on ne pose pas un peu mal. Regarde, on est en on a juste sur camion, je m'en fous du camion. Bien tiré. Ah yes, ça bug. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller dans mon camion et tu vas aller faire la livraison des deux là. C'est juste posé, t'as juste à valider. Dans ton camion. Ouais, alors attends, besoin, faut que je me barre d'ici. Hop. C'est le White Western Star là. Ouais, White Western, exactement. Alors attends, besoin, je me barre. Hop. Ouais, comme ça, tu peux le prendre et faire la et valider les trucs. Ça veut pas valider, donc je pense que ça doit peut-être prendre des points, comme ça, les quêtes. Ça va, ça. Commencer à suivre. Afficher la tâche en action. Ah, il veut pas non plus. Pourquoi ? Afficher la tâche. Bah, des poutres en menacier, j'en ai là. Bah, recommencer s'il faut. Non, j'ai pas envie parce que je suppose qu'on va ouais. Faire des pop les remorques. Il y a des chances. Non,
Bah c'est bon, on aura mis maintien pour afficher la tâche. Gestion de la cargaison. Le petit bug qui fait plaise. Déchargé, c'est bon. Déchargé. Ok, bah t'as l'autre à côté. Ouais, c'était petit bug. Ça arrive. En fait, il était en mode gestion de mission et pas en mode gestion débarquement. Alors attends, je te lâche une première remorque. Je vais la lâcher comme un gros tas. Détachée. Elle sera un peu en travers de la route. Ah non, c'est bon, elle est en train de se barrer sur le bateau. Oh, excellent! En train de la ranger naturellement. Et pour l'autre, je peux faire ça? Décharger béton? Ah non, il faut que je la barre. Il faut que je la barre obligatoirement. Alors, même pas que j'ai ton camion en ligne, ça serait un peu dommage. Ah, ça me. Là, tu. On va. On fait cher. Un petit problème là. Il faudra que je paye quelques cafés chez Martin. C'est ce que j'allais dire, hein, parce que. Au White Western, la copine. Sympa. Je trouve cargaison, déchargé. Monsieur. T'as réussi ? Je te libère ton camion. Ouais, je retrouve sur un Chevrolet C500K. C500, c'est le plus. GG, monsieur. Tu as une remorque du coup attachée à toi. Oh, ouais. Et moi je suis perdu dans le désert depuis trop longtemps. Très attaché, mais attaché à quoi? À l'autre connard, c'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Barrage routier, y'a quoi à faire sur le barrage routier? Non, je voudrais s'il vous plaît. Deux prochain treuil de ce point là à ce point là-bas. Enclencher une marche arrière et se faire treuiller. Sors-moi de là. Ok. Accrocher un treuil de ce point là. Ah, cette bonne grosse souche là-bas. Ouais, ça me va. Est-ce qu'on peut avancer? C'est compliqué. Oh, c'est très 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 compliqué. Est-ce qu'il va falloir que je me recule encore? Là, me reculer, c'est m'enfoncer. C'est pas mal. Et du coup, le même tronc d'arbre qui a servi à tirer, c'est le même qui est en train de m'enfoncer. Ah, j'ai bien peur que ce soit devenu extrêmement compliqué. Comment je vais sortir de là? Je peux même pas réatteindre la route. Y'a rien de treuil par là-ci. On a retouché la route. C'est bien. Voilà. Ouais, c'est chaud le niveau d'embourbement à cet endroit-là. Hein. C'est hyper chaud. Il y avait une histoire de remorque. Non, c'était pas ici. Si je passe par là. Oh, ça sent. Ça bien. Ça sent bien. C'est pas dessus, je crois, non? Non, je fais pas d'hôtel mytho. Je vais continuer la route, moi. Je vais aller chercher des deux pièces de rechange du coup pour continuer la route et qu'on ait la grande route qui fasse tout le tour, on sera tranquille comme ça. Ok. Je me mets en mode galère. Ah, carrément. Ouais, je fais le fifou.
attends, bon, il faut vraiment que je traverse cette merde là, c'est vraiment obligatoire. Je prends un petit rallongi. C'est vraiment une route ça, en fait. Faut arrêter de marquer qu'il y a une route à ce moment-là en fait. Faites-vous faire des ponts quoi. Des trucs quoi. Déplacer de la roche, genre. Il y a de la roche qui tombe à certains endroits, on la déplace mal ici. Des vrais trucs en béton. C'est tenace quoi. Les Américains c'est vraiment des sauvages. Enfin, l'oncle Sam, ils ont mis toujours. Eh, c'est pour moi pourquoi ils payent toujours le haut du corps de l'oncle Sam, hein, jamais pas. Hein, parce qu'en fait, en bas, il était couvert de boue. Exactement. En fait, ils l'ont planté dans la boue, le mec. Je pourrais pas dire qu'il avait grandi hors sol, lui. Ok, c'est bon, on roule à nouveau, ça fait plaisir. Pièce de rechange. Pour ça, il faut que je prenne la petite remorque à rembarre, mais je suis pas sûr de pouvoir l'embarquer avec mon petit truc. Hein. Je peux pas attacher ça. Hein. Tu vas refuser. C'est pas le jeu. Attelé remorque. Pas de remorque adaptée à attelé. Ah, j'ai crevé, monsieur. Comment ça? J'ai crevé avec mon pneu. Ah, bon. C'est des choses qui arrivent. Oui. Comment je fais pour récupérer la remorque? Parce que j'en ai une là dans les bacs. Mais... Bon, dans, ah, je l'ai posé là. Tu la poses au niveau des trucs à remorque et tu peux la faire récupérer. Tu débrouilleras avec. Hop. Si t'es négaré, je peux pas te la ramener. Lui, du coup, je peux pas l'embarquer. Si tu veux, d'ailleurs, pas très loin là, vu que t'es au garage, tu peux venir jusqu'où je suis. Il y a la remorque à prendre, tu peux tout de suite refaire le barrage routier. Hein. Where are you? Ok, t'es où? T'es là? Ouais, bah c'était ça que j'allais faire. Justement. Ouais, c'est la route est pas trop crade. Remorque à rembarde. Deux. Et regarde juste combien ça prend de slots les pièces de rechange. Bah normalement une chacune hein, puisqu'ils t'ont laissé une remorque à rambarde à deux, qui est la même que tu peux avoir sur le dos de ton véhicule. Je vais vérifier tout de suite, bouge pas, je te dis ça. Et du coup, il faudrait que je fasse ça, ça et ça. Voilà, ça sent. Oh, hop. Ça sent le film. Tac. Pièce de rechange, c'est du 1. C'est du 1. Oh bah vas-y, je m'en occupe, laisse-moi ça de côté, je m'en occupe. T'as déjà la remorque à rambarde sur place si jamais tu veux. Ok, parfait. Ouais, bah c'était. Et du coup, il faudrait que je prenne du en coup, plus un peu de béton. Moi, je vais partir d'un gosse tirer ce machin là-bas. Qu'est-ce qu'on en pense? Ça me fait aller jusqu'à la tour, ça, mais à partir de la tour. Mauvaise idée en fait. Ah, ouais, mais de toute façon, t'as retapé le pont, on est d'accord. Hein.
Ouais, ouais, là, j'ai juste à débloquer la route. Ah, là, si, c'est, après, c'est mur de bricasse que j'ai pas et qui va m'obliger à passer par là, puis par là. T'as besoin d'un petit coup de main, moi. Ouais, t'es dans la sauce. Ouais, non, non, là, non, pas là, mais quand je vais partir avec les pièces de rechange et tout ça, parce que ça pèse une. Ouais, t'auras besoin d'un petit véhicule pour éventuellement tirer. Il y a des chances, ouais. Ok. Bah dans ces cas-là, je t'attends. Et bah on prendra le chemin de toute façon qu'il faut que je prenne. Le petit en travers là. Ouais, en fait à partir du dépôt, ouais, tu coupes en travers, tu rejoins à peu près au-dessus du pont où t'as construit, toi. Après, si c'est plus pratique pour toi, on fait un grand tour. Non non. Mais la route est pas trop. La route est pas trop sale, hein, ça se fait. Ça c'est pour les faibles, moi je passe à travers. Ah, c'est pour les camions qui peuvent pas surtout. Attends, j'ai un camion, hein. Il peut pas, hein. C'est pas qu'il veut pas, hein. Il peut pas. Quand le niveau de boue est plus élevé que ton camion, au bout d'un moment. Ah, c'est compliqué. Bah, surtout qu'au bout d'un moment, tu te dis, il y a un petit défaut de fabrication, les gars, vous auriez dû plutôt partir sur un concept de sous-marin en fait. C'était plus pratique en fait, je crois. Un petit amphibie là, un petit camion amphibie. C'est un petit amphibie de la boue là. Ou alors, fallait commencer à avoir des concepts russes où vous dites, bon, on va mettre des roues, mon gars. La couche de roche, elle est où? 3 mètres en dessous? Bah très bien, vous me faites des roues de 6 mètres de diamètre, comme ça, y a pas de problème. Je suis là. Ah, j'ai pris le mauvais chemin. Mais genre, t'es pas là. T'es où? Pas là. Ah si, si, tu peux continuer tout droit. Mais ouais, oui, ce chemin m'a l'air merdique. Hein. Après, t'inquiète, je gère. Et tu peux faire un petit crochet par la droite qui a l'air moins merdique. Non, non. Mais ouais, l'idéal en vrai, c'est de couper à travers les montagnes, c'est ce qu'il y a de moins sale, hein, comme route. Hein. T'inquiète pas. D'ailleurs, je vais pas regarder par là, parce que tu sais, ça a pas l'air exploré, et je me demande s'il y a pas genre une épave, une merde en bord de... C'est probable, probable, probable. En bordure de machin, là. Parce qu'une grande étendue d'eau comme ça, il y a quand même une grande chance qu'il y ait une épave qui traîne là-dedans. Même si tu le vois qu'à l'œil, hein, même si tu la révèles pas. Il y a une bouche là-bas, exact. Tu vois une épave? Ouais, il y a une épave. Je sais plus si c'est une mission. J'y aille maintenant ou pas? Vas-y, tu peux y aller. Au pire, si j'ai besoin, je le fais. Okay. On va voir ce que ça va. Je démarre. Tu prends le crochet là que j'ai fait, et quand tu es dans le crochet, tu vas voir dans la flotte là, t'as un camion de choix qui tue. En réaction de 15 secondes, c'est le mec. Ouais, c'est parce que en fait, le problème, c'est que je suis un américain de base. En fait, je suis juste en train de voir que en fait, il faut que je roule à côté des routes parce que c'est un vrai chantier. Ouais, en fait, c'est plus pratique. Ouais, c'est plus pratique. Là, c'est surtout que j'ai pas la taille de roue pour y aller. Alors, j'ai pas la capacité en amphibie en fait. Ouais, tu me trouveras un autre problème. Sur le début de ton crochet, c'est au bout du lac, c'est au niveau de la péninsule. Ah oui, donc faut que j'aille au... Ah oui, je vois une merde. Ouais. C'est bon, tu la vois la merde. Je vois une épave. Je vais la chercher, effectivement.
reste une cargaison déjà. Il faudrait que je lève les jonquilles. Ouais, ouais, deux pièces de rechange. Ok. Pièces de rechange. Et pour la livraison de nourriture, il va nous falloir. Deux briques. Beaucoup de deux briques et deux pièces de rechange. C'est méchant bien, mec. Comment t'as réussi ? Non, pas encore, parce que évidemment c'est que de la bourde et de la bourde. Dans un bourbier. Il n'y a même pas un bourbier. Que m'enterrer. Ah mais je m'enterre vraiment quoi, c'est genre vous enfoncez tranquillement monsieur. Tire-moi toi. Voilà. Mission découverte. Tire-moi un peu. Voilà. Bah du coup c'est allumer le moteur. Attends, genre j'ai pas de mission, j'ai découvert une mission, mais ça va pas donner la mission, je comprends pas. Genre juste le tir. Tirer le blanc. Faut l'activer hein, la mission pour entrer dans le carré et dire oui, je valide, je le fais. Ouais, c'est où j'y suis en fait. Ah. J'y suis et il me propose rien. Alors attends, si, libère le travail. Voilà, afficher la tâche, voilà. C'est, je peux pas tout faire. Suivre. La Chevrolet Kodiaq C70. Oh, c'est un petit camion. Petit camion là, sympatoche. Ouais, il est pas trop mal en plus, je crois. Il est tranquille. Il est bien pour les rapporter, genre un peu d'essence ou une petite grue par exemple. Genre, moi je lui ai mis la grue dessus. Comme ça, il sert de grutard. On a des galères. Non, mais alors par contre, allume ton moteur. Quand je le tire, c'est moi qui recule. Ouais, il est dur à sortir. Pas au moment qu'il est là. Non, fais pas ça, mec. Il va faire 100 mètres de moteur bleu. Bleu, 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 bleu. Oh, c'est là où je voudrais être double câblé. Oh, il est bien enterré, sa race. Hein. Est-ce qu'on peut... non, je crois que je peux passer par le menu. Changer de camion. Je peux pas changer de camion. Il est trop loin là. Il est trop loin. Ok, est-ce que je peux aller dans le Chevrolet? Je peux pas y aller. Si, je peux y aller. Tu as un coup de main? Je peux pas le choisir. Ah, le moteur est pété en fait du Chevrolet. J'ai pas de la répa moi. Si je devrais pouvoir réparer. Oui, alors moi je m'en fous. Petite grille et je ne peux réparer que moi-même. Alors on va retourner dans la bouse hein. On voudrait réparer voilà, surtout son moteur en changeant une petite grille de bois. Ok, il n'y a rien d'autre que
que je peux utiliser. Ok, il est sur moi. Je peux rien utiliser, ok. Parce que la petite grille de toit, en fait, c'est que du pneu. Ok, il reste que du pneu et il n'y a pas de pneu bousillé. Ok, normalement le Chevrolet il est intact là. Est-ce que maintenant je peux changer de camion, s'il te plaît ? Je peux pas le sélectionner, ok, j'ai pas le droit. Donc, allume son moteur. Alors, on va mettre l'autre frein. On va le frapper. Que dalle! Et on va supprimer le frein. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Donc, bon, bah, je suis obligé de le libérer. Je vais pas le faire bouger. Je n'ai pas les capacités motrices pour le faire. Il va falloir que tu pilles un camion là pour débloquer lequel. Ouais, je. Et je reviens. Débourre, hein. Ça envoie. Ça envoie, ça quel plaisir. D'ici qu'il a tourné, il est caché au monsieur. Hey, il est déjà là-bas. Oh, dis donc, il va bien rouler.
montagne. Je ne savais plus. Oh, let's go. Je pense qu'on va désormais l'autre véhicule dans un autre épisode. Là-dedans, faut que je trouve la faille pour y accéder. Ah, j'ai raté mes trucs. C'est pas grave. Donc, faut que j'aille là-bas. Bon, là, je vais plutôt passer par là. C'est pour que là-dedans. Oh. J'ai raté. Son Chevrolet à la mer ou c'est pas bon? Je sais que la marque c'est pas très bien porté, mais... Il a fallu se passer un drame. Ok. Alors premièrement, est-ce que je peux me réparer mon pneu? Ouais, là, ça a l'air d'être bon. Donc j'ai juste les suspensions endommagées. Bien endommagées. Assez de puissance pour le bouger aussi. Chier. Ça fait chier. C'est emmerdant.
l'impression que c'était la pelleteuse qui avait de l'éclairage là, mais en fait pas du tout. Tous les coups on peut pas conduire cette pelleteuse, quelle tristesse. Alors du coup, alors du moi, coup, j'ai le donc ça y est, j'ai livré tes trucs, hein, donc quand t'es terminé. Je suis parti pour essayer de désembourber un autre camion, j'ai pas assez de puissance, mais toi tu devrais pouvoir sortir sans difficulté. C'est 70 là le... Alors c'est celui qui est... ouais, c'est l'autre Kodiak C170 qui est à côté de moi, à côté dépôt de tronc. Genre là, mais tu tiens, continues sur la route, toujours tout droit. Vas-y, vas-y, bah, prends mon camion, fais-le, je te laisse mon camion, amuse-toi avec mon camtar. Non, non, mais de toute façon, moi, t'inquiète, j'ai encore des trucs à faire. Là, je vais aller éclairer l'autre tour, puis il faut que je fasse demi-tour pour aller récupérer l'amélioration sur la petite île à la con. J'ai un certain nombre de trucs à faire. TKT, prends ton temps. Voilà, du coup, on en est où dans l'émission? Le truc, c'est qu'on a qu'un seul camion qui bouge. Hein. J'ai que des camions de merde. Non, mais j'en ai d'autres, moi, en fait. T'en veux, je pense ça. Je sortirai un bandit à l'occasion, mais bon, tant que j'y suis, j'exploite mon plein jusqu'au bout. Oui. Et je vais essayer de faire du repérage de zone. Merci. Pas un bon endroit pour demi-tour ici. Ah, si, ça, là, ça m'a l'air d'être un bon endroit pour demi-tour. Ouais, mais tu voulais que d'où je suis. Oh, mais c'est trop loin. En fait, si d'abord, c'est poser ma brique. Parce qu'en fait, la route jusqu'au dépôt de tronc, elle est propre. Et ouais, il est pas très... Lui il est pas compliqué en fait à sortir, mais ouais, si tu veux aller déposer... Je vais déposer ma brique, comme ça je finis la récolte. Il y a le pont en bois aussi, je sais plus si je t'avais dit ce qu'il y avait dessus. Je me souviens plus de ça. Je sais même pas si je l'ai pris la quête, pont en bois, attends. Si, si, je crois que il me semble. Non, je crois que je pouvais pas y accéder. Ah ouais, mince. Camion lourd, l'endroit après le sapin. Au pire j'irai avec le canne. L'endroit après le sapin, c'est ici. Citerne égarée, c'est là. Motel miteux, c'est là-bas. Sapin express, c'est livrer des planches au site de forage. Livraison de nourriture. Voilà, c'est un délire. C'est faut partir de la ferme pour aller jusqu'au site de forage. Non, je suis pas allé jusqu'à. Je suis pas allé jusqu'au pont en bois et en vrai je devrais y aller. En vrai c'est ce que je vais faire. La technologie t'embrouille quoi. Alors, c'est parti. Avec ma petite bricasse. La petite bricasse pour les fermiers. Allez c'est parti. De là, faut que j'aille jusque là. Il faut ensuite que je revienne jusque là. Ensuite faut que je revienne. En fait, ouais, je vais te déverrouiller le pont pendant que tu fais tout ça là. Ouais, ouais, vas-y, fais. Si tu croises des améliorations, prends-les, hein, c'est toujours du plus. Hein. Ouais, ouais, c'est parti. Ouais. Et après, jusqu'au pont. Voilà. Le tracé est fait. Let's go. Let's go faire du tour. Ah le pont est solide. Je viens de le tester. Ouais ouais, c'est approuvé, c'est bon. Plus solide que mon moteur apparemment. Tu l'as abordé un peu vite. Ouais ouais, j'ai découvert que les suspensions c'était bien, mais que des fois ça a éclaté ton moteur. Ouais, toi tu as suspension à l'avant. Non mais je m'en perds buffle. Hein. Ça part les buffles, hein. Pas les ponts, c'est pas un parcon quoi. Ouais. Si vous voulez parler des ponts, quelle idée de m'avoir foutu de l'acier et du béton dessus. Parapapapapa, c'est la balade. On débloque le camion que j'ai là, tu le débloques sur la map d'après, du coup. Okay. Juste quand on va. Tu vas voir, franchement, c'est une buterie. J'ai tout fait avec moi. Oh, bah. Du coup, bon. Un petit peu d'amélioration. Sur cette map là, bon. t'as un camion de merde, mais parce qu'il y a beaucoup d'autoroutes et que je suppose que initialement t'essayes de. Oh,
d'aller chercher les camions qui traînent en fait, justement, le ouais, C70 et tout ça. Mais les C70 ils ont pas l'air dingues, hein, très honnêtement. Non, mais ça marche quand même. Ça marche quand même. Bon, je les ai vus avec des bons vieux pneus de route, je les ai vus assez bas, je fais. Tu peux les monter, hein, tu peux les monter. Tu peux les monter et tu peux les mettre en petite motrice après. Ok, tu peux les mettre en. Après ça fait des petits camions légers qui sont pas trop mal en vrai. Juste pour mettre pas une remorque mais une benne en fait. Une petite benne là. Ça suffit, ça fait le temps. Alors, les fermiers. Si, voilà, très bien. Plein d'essence qui commence à être critique. Tu vas voir là sur le Michigan là, tu vas voir après les dernières maps elles sont tendues. En termes d'approvisionnement, tu dois ramener des citernes pour avoir un genre d'entrepôt à la main. C'est classe, oui je sais, je te large de la brique. Et voilà. J'ai sauvé tu vois, la brique. Y a des missions, toi, ça passe. Tu peux faire, il y a d'autres missions qui te passent. Ouais, c'est en fait, c'est de ce que j'ai remarqué, c'est les missions où c'est juste déposer des trucs dans des endroits, ça va, mais quand tu dois juste réparer un pont ou un truc comme ça, c'est à toi de le faire. En fait, ça débloque une nouvelle route, je pense, c'est un délire comme ça. Ah, c'est une évolution de la map que j'héberge. Ouais, c'est ça. C'est à toi de la, je pense que c'est à toi de la valider. En fait, là, c'est juste une mission à valider. Quoi. Je pense que ça doit être ça. Alors, rangeons ça. Mais pareil, le camion de Jeff, faut un petit peu l'améliorer quand même avant qu'il soit intéressant vraiment pour le coup. C'est récupéré. Même le tout premier camion de base, il est bien, je crois. Hein. Faut juste l'améliorer un petit peu. Hein. Le petit chevreau, le celui que j'ai, en vrai, c'est bien. Enfin, c'est une merde, non, c'est pas une merde, c'est qu'il est fait pour la route. Non, genre, mais tu mets le terrain pour eux, marais, tout ça, tu peux rien faire avec. C'est un cauchemar. Oui, c'est des petits camions après, tu vas pas avec une remorque de ouf et tout. Je ne pourrais pas aller jusqu'au pont parce qu'il me reste 7 litres, mon ami, je crois, et que je vais être juste un tel garage. Comme tu vas prendre un camion, tu l'as des camions. Si je le prends dans un litre, c'est terminé là. Dès que je vais descendre à 5 litres restants, il va péter un bouleur et va me faire le mec, j'avance plus. Je refuse. Ah putain, et faire ça de nuit que tu te promes partout parce que tu vois rien. C'est pas drôle sinon. Ah mais ça va prendre à faire des aller chercher de la mégot de nuit, ouais c'est pas grave. Ouais, c'est pas ici. Hop. Quitter le garage, ouais, réserver le boulot. Mais quitter, en fait, il était chez Martin. Quitter le bar. Hop, non. Non, non. On entend les pistons. On entend les pistons là. C'est pas bon ça. Attends, après, il y a peut-être moyen d'aller à la gas station sans tomber en rade là. Je crois un peu en Dieu en faisant ça. Mais ça peut se faire. Parce que sur la route, je consomme rien. En vrai, ça peut se faire. Le fleet star, du coup, c'est ça. Sur la route. Il me reste 4 litres. Il faut pas rendre. Avec de l'huile, là, 2 litres pour allonger avec de l'huile. Ah, terminé, il y a de la boue, on n'ira pas plus loin. Certains, on n'ira pas plus loin. Voilà, véhicule abandonné. Aïe aïe aïe. Faire le plein. Chevrolet, 2 litres, il reste plus rien du tout.
Je vais le ravitailler d'un litre. Je vais un litre sur le toit. Oh, niveau de ridicule. Bon, voilà, je t'ai sorti un petit camtar. C'est la petite pause pour ton tube, hein, parce que ça fait un moment qu'on les soulevait quand même. C'est l'épisode qui sera vu par deux personnes de toute façon. Donc... Et comme ça, faut regarder les objectifs. Ouais. Qu'il faut faire. Alors, oui, ah oui, du coup, des bisous ça, YouTube. Hein. Global, il faut faire le premier site a été construit.